Salut à tous, c'est Adran, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle Daily Run de Isaac. Aujourd'hui on va jouer Azul et j'espère que ça va bien se passer. Puisque comme vous l'avez vu hier, c'était un échec critique. Bon, normalement Azazel ça va. Bon, ils avaient cassé le perso puis ils sont quand même dit hey, les gars, on est allé un peu loin, on a détruit le perso, il vaut plus rien. Alors Robert Cement. Oh. Ah non. Par contre, quand ça rebondit, ça devient un full brimstone. Du coup. What? Le jeu me dit non, là, je crois. Le jeu m'a clairement dit. Ah non. Alors là, ah si, ça marche. Ok. Bon, je vais peut-être éviter de trop baser mon jeu sur cette technique. Sinon, je vais avoir l'air débile au bout d'un moment. Mais il n'y a pas d'air. Simple, efficace et pas cher. C'est la maf que je préfère. Alors je dis la maf mais en vrai je suis pas du tout à la maf. Donc je fais de la pub pour un truc auquel je suis même pas. MDR. Heureusement on n'est pas sur la télévision, sinon je devrais citer trois autres marques. Et j'avoue que des assurances j'en connais pas des masses en fait. Ah, échec critique. Alors ce mob est bien parce qu'il... Enfin ce boss est bien parce qu'il a tendance à bien aimer se suicider. Ce qui est quand même pratique. Speedball, speed. Alors c'est tears up qu'il me faut pour augmenter la vitesse de charge, donc bon. On va dire qu'on volera plus vite. J'ai encore une voix de camionneur, j'ai l'impression quand même. La bonne grosse voix de camionneur. Alors par contre, alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je n'ai pas encore élucidé tous les mystères. Heureusement j'ai looté une clé. Ah, de la merde. The Bean qui me permet de péter. Voilà. Waouh. Le haricot. Je suis vraiment très content d'avoir obtenu cet objet, Kappa. Et la batterie qui permet de recharger plus vite. Génial. Voilà. C'est passé exactement ce que je craignais. C'est que en les faisant tous péter d'un coup, forcément j'allais être à range d'explosion et que ça allait mal se passer. Mais attendez, j'ai un Devil Deal, le Mom Coin Spurs qui a donné plein de pilules que l'on va tester. Perks. Amnesia. Explosive Diarrhea. Et speed down. Très bien. De la merde. Et de la merde. Pheromones et Retro Vision. Bon, au moins, il m'a filé deux cœurs bleus. J'avoue, j'ai pas tellement envie d'avoir une God Room là. Qu'on se le cache pas. Merde! Mongol. On se le cache pas, j'ai pas tellement envie de tomber dans une God Room. Ah! How to jump! Ouais, trop bien. Bref. Non, en fait, c'est de la merde. Ah, caillou marqué, mais j'ai pas de bombe. Putain, je crois qu'il était chargé. Alors c'était le dégât inutile de la salle. Ah bah merci. Apparemment il suffit que je demande. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Childish. Hein? Keep your friends close. Ok. Donc j'ai une laisse pour enfant. Tout va bien. Oh mec, tu m'as tellement pas vendu du rêve. Quoique, j'ai 15 pièces. Allez, la boussole, la boussole, la boussole. Best friend forever.
Bah, sachant que j'ai pas de familier, ça me sert à rien, donc je vais plutôt prendre le cœur bleu et la bombinette. Je sais pas à quoi ça sert ça. Ça a l'air d'être un objet qui est lié à des familiers, donc je vais pas le prendre. Tiens, je te pète dessus. Ah! Lui aussi. Et une god room et un snack. Et ça va que c'est que ça. Bon, l'avantage c'est que maintenant que j'ai un HP, si j'arrive à choper un devil deal, je peux le trade avec le cœur rouge que j'ai. C'est à peu près le seul avantage. Dead cat. Je repasserai le pan tout à l'heure parce que je me rappelle plus. J'ai un doute. Est-ce que, à tout hasard, Dead Cat va m'enlever tous mes cœurs bleus? En fait, c'est ça qui me fait peur. What? Ok. J'ai explosé. Aquarius, putain, ils veulent me donner des objets de merde ou ça se passe comment? Pour l'instant, c'est de la merde, de la merde, de la merde et de la merde. C'est de la merde en boîte. Merde, je crois que je l'avais chargé. Mais pas du tout. Cric. Lock up. Ah! Bien joué! Putain, je joue comme un pied aujourd'hui, c'est pas possible. On dirait comme d'habitude, mais. Vous auriez raison. Mais quoi? C'est illégal de faire ça. Gurdy. Alors, techniquement, là, je serais baisé parce que je peux pas aller derrière Gurdy, mais je vole. Je joue à Zazel. Du coup, je viens de baiser le jeu qui essaie de me baiser. C'est beau. Salut, j'ai failli prendre des dégâts. J'ai pris des dégâts d'une mouche. Il y en a une autre. J'ai repris des dégâts. À l'aide. Est-ce possible d'être aussi nul, s'il vous plaît? Je ne pense pas. Moi, j'ai un devil deal. Et je vais prendre la pute de Babylone. Je vais prendre la pute de Babylone. Et on descend. Donc si je me trompe pas, ça c'est le signe de la cathédrale. Donc faut que je prenne le Polaroid. Si vous savez comme c'est chiant d'avoir une voix de camionneur. Vous me direz, ah mais pour une fois que tu as une voix d'homme. C'est vrai. Mais bon. Voilà l'état de mes cordes vocales du coup. Je suis vraiment un abruti fini. C'est pas possible. Speed down. Oui, moi très content de prendre speed down. Alors des fois, j'ai quand même la vulgaire impression pourquoi est-ce que j'arrive pas à parler? Pourquoi est-ce que j'ai jamais su parler en fait? Quand est-ce que j'ai raté mon enseignement à l'école? Le Cat on Nine Tail. Ah. C'est pas l'envie qui m'a manqué. En fait, si j'avais. Finalement, je me suis dit que je prendrais pas le Dead Cat, mais. Finalement, vous voyez que j'aurais dû le prendre, j'aurais pu devenir un petit chat. Parce que, mais oui, c'est moi, le mignon petit chat. Ok, j'ai pris un dégât de merde. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok.
Ah, tu me touches là, d'accord. Mauvais. J'ai sous-estimé à quel point t'étais une pute. Kidney Stone. Je me rappelle plus ce que ça fait. Ça réduit ma vitesse, mais ça augmente ma fréquence de tir. Le problème, c'est que je joue à Zazel. C'est ça? Bien. 11 mai, bien. Bla 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 bla. Curse of Darkness. Pourquoi il me rush pas dessus? Pourquoi est-ce que vous êtes pacifiste aujourd'hui? Ah, bah lui allait me rusher dessus, mais. Alors, moi, ce qui est avec Curse of Darkness, c'est que j'ai tendance à manquer tous les cailloux marqués. Non, mais. The fuck happening? J'ai arrêté de prendre des dégâts. Ça pourrait être pas mal quand même. Après, je peux comprendre que j'ai envie de vous prouver que je suis une grosse merde à ce jeu, mais. Mais quand même. Marked. Je sais pas si c'est un tears up ça en fait. Du coup, je sais pas si je me suis bien mis ou pas. Forty-eight hours energy. Bon. Je suis pas méga convaincu. Toi, tu veux pas me looter un truc bien? Bumbo, Bumbo Wine Coin. Bon, ben, prends les coins, écoute. Hein. Merde, c'est vrai que j'ai les clés limitées pour cet âge. Ça aurait été un peu de l'arnaque. Pourquoi ça part Bonnie? Apparemment, Bumbo fait des dégâts aussi. What? Pourquoi j'ai l'impression que des fois ça rebondit pas, what the fuck? Pourquoi je prends les dégâts de merde comme ça? Pourquoi je panique? Aidez-moi. Là, je dois prendre le Polaroid. Et donc là, je dois choisir un objet. Je vais prendre le Spoonbender. Je vais prendre le Hat pour ne plus prendre de dégâts d'explosion. Vous allez me dire, c'est vrai. C'est complètement vrai. Ça... Putain, j'ai peur. Mais je vais prendre ça. C'est mon choix. C'est ma décision. Curse of the Lost, super. Je me rends compte que ça ne sert à rien vu que. Quoi qu'attendez. Combo qui n'était pas pensé et prévu jusque là. Je vous présente le Brimstone improvisé. Auto-guidé. Et une troll bombe. Comme quoi, des fois j'ai des bonnes idées. Ça ne m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Et quand ça m'arrive. Eh ben, je vois des synergies là où il n'y en a pas. Oh putain, sérieux. Quelle est la méga loose que dans tout ça il n'y avait pas un putain de cœur gris quoi. Oh
Alors là, c'est un boss hostile, je me mettrais bien quand même. On se le cache pas. Perks. Make one makes you small. Ok. Un qui me rend petit. J'ai créé une synergie impensable. Oh oh. Ah, j'ai pris un dégât débile aussi. Ce tower. Je ne sais pas à quoi sert Perks. C'est un truc purement cosmétique. En fait... Oh putain, je vais crever. En fait, le problème que j'ai, c'est que... Mon machin ne se reflète sur le mur que dans certaines conditions. Et du coup, je me baise. Ce qui est pas vraiment super pour ce genre de situation, mais... Vous voyez, chaque fois que je... En fait, il y a une distance précise à avoir du mur pour que ça marche. Comme c'est que là, j'ai un demi-cœur, quoi. Ok. Le jeu m'a dit, c'est bon, t'inquiète, bro. Ta partie n'est pas encore finie. Pourquoi je me suis jeté dedans? Hein? Pourquoi? Pourquoi, à quel moment? Est-ce que j'ai décidé que si j'allais devoir mourir, c'est de façon stupide? Hein, pourquoi? Puis là, c'est bien, ça permet d'avoir une distance safe. J'aurais dû prendre Guppy. Dead Cat. Bon, ben voilà, ruiné parce que le laser a une hitbox qui dure plus longtemps que la réalité. RTC, vous êtes triste. Ça fait deux daily runs que j'avance pas mal, mais que je n'arrive pas à conclure. Est-ce que j'ai des amis qui l'ont fini ou est-ce que pour l'instant je suis tout seul? Pour l'instant je suis tout seul, bref. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très vite. On a au moins découvert une synergie hors du commun. Je vous fais des bisous, je vous dis ciao les gens.